Ah, on vous écoute, monsieur. Comment ça va? Je m'appelle depuis Ah, Congo Brazzaville. Bodi, Bodi. Vous analysez vraiment pertinente. Comment ça va là-bas? Vous décrivez vraiment la situation telle qu'elle est, quoi. Donc, quand je vois surtout sorti de Damaro hier, donc, je comprends que Vous pour entendez noyer la quoi? poisson, quoi. Vu que Oui, les scandales qui étaient éclatés à l'Assemblée nationale, oui. de Maté gré à gré, qu'il a fait à ses parents ainsi que ses filles. Donc, pour faire oublier les âmes de cette situation, pour endormir les Guinéens, Oui. il faut plaider pour la libération des détenus politiques pour dire que non, mais c'est pas parce que vous surtout l'ancien président. Mais tu vois tout ça, il Oui, va faire tout pour que les gens oublient cette scandale. Tu vois? oui, c'est Mais ça ça. dit que, vu que aussi c'est temps des vacances, les grands débats des médias indépendants, actuellement ils sont en vacances, ils vont profiter encore pour augmenter les prix des taxes. Tout ça, ils vont faire. Pendant la vacance, là, beaucoup de choses vont se passer. Ils vont se voir à Vivlan. Vous, Oui, maintenant, cette motion c'est sur vrai. vous, des gens indépendants pour vous, qui peut nous réacter de vraies actualités, quoi. D'accord, oui, c'est vrai. C'est ça. Franchement, on vous kiffe bien. Je suis ici au Congo Brazzaville. Vraiment, on vous kiffe. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci beaucoup, mon frère. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah Merci vous à vous. garde. Merci. Je ne vous ai pas demandé. Monsieur, le monsieur qui a appelé là, vous l'entendez ou pas? Vous recevez bien ou pas? Je ne parle pas de moi, hein, de lui. Il y en a un qui a appelé. Je vais le rappeler. Tu m'entends ou pas? Tu m'as lu Sibiri. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, bonjour. Comment ça va là-bas? Oui, bon. Dina Mangue, Auna en direct. Tanamu. là, j'étais en train de vous suivre, J'ai vu l'appel à donc l'heure. ça demandait aux gens, voilà, vous avez demandé aux gens de vous appeler s'ils veulent intervenir. Oui, Je oui. voudrais vraiment intervenir un peu si vous avez le temps. Bien sûr, allez-y. Bien sûr, Inch'Allah. Voilà, merci pour ce grand combat. Merci à Beaucoup Dieu. qualifient, voilà, d'inutile, mais nous, nous savons que vous êtes en train de mener un combat noble. Vous battez, saluez tous vos auditeurs et auditrices, tous Je vous ceux-là qui salue sont en aussi. train de suivre. Voilà, je demande à tout le monde de vous soutenir. Ce n'est pas soutenir Marie Soukhon, mais soutenir la vérité qu'elle est en train de dire. Oui. Vous savez, beaucoup se trompent aujourd'hui. Voilà. Et il y a de ces Guinéens qui pensent que dire la vérité sur le cas de la Guinée, c'est soutenir l'IFBZ ou bien soutenir Sello Dalem. Vous n'avez pas besoin de soutenir Sello Dalem dans ce cas-là. Oui. C'est une loi à tout. Est-ce que Oui. vous comprenez? Oui. Mais nous, Guinéens lambda qui sont là, qui sont dans la souffrance, voilà, c'est-à-dire qui ne gagnent rien. C'est à nous de mener ce combat-là et de Oui. dire à ces gens-là que c'est pratiquement impossible qu'ils viennent nous imposer ce qu'ils veulent sur la Guinée. La Oui. Guinée appartient à tout le monde. Nous sommes des Guinéens. Quelqu'un qui fait plus de 10 ans, 20 ans, 15 ans à l'extérieur, qui continue à parler de la Guinée, je ne pense pas qu'il lui sert à manger, mais il a le souci de son pays. Oui. Voilà, quand je vois certains commentaires des personnes qui viennent ici qualifier ces gens de moutons, mais toi tu n'es pas mouton, mais tu préfères écouter les moutons. Il y a plus de moutons que ces gens-là. En tout cas. Parce que moi, si ton débat n'a pas d'importance pour moi, je te regarde pas, je te suis pas, je viens pas C'est lire les pas moi, quoi, commentaires. je regarde pas. Mais quand vous Je laissez regarde pas votre les temps, autres. vous, parce que je te regarde pas, voilà, je ne te regarde pas. Quand vous venez, vous prenez votre temps, vous suivez quelqu'un, ou vous suivez quelqu'un qui est là, qui est en train de mener sa lutte. Mais sachez que la personne, ce qu'elle est en train de dire, est importante pour vous Oui. et pour tous les autres. Oui. Moi, je vous encourage. Oui. Et nous Merci. demandons à tout un chacun. Moi, c'est-à-dire ceux-là qui savent que vraiment nous sommes dans des difficultés, il faut continuer à parler. Je vous dis, je vais mentionner un monsieur ici, monsieur Lafratouré.
Il fut l'un des premiers, je ne dis pas le premier, mais l'un des premiers vidéomans à faire amener ce combat-là. Mais quand il parlait de ce régime, quand on disait non à Alpha Condé, tout sauf Alpha Condé, certains nous posaient la question, ah, même un fou. Non, on n'a pas dit un fou. Mais dans la politique-là, les personnes dont nous voyons aujourd'hui-là, nous préférons tout le monde sauf Alpha Condé. Parce que ce monsieur-là, il n'a pas montré un souci, c'est-à-dire de développement pour la Guinée. Oui. Il s'en fiche pas mal de la Guinée. Oui. Imaginez un président qui fait plus de 11 ans comme président de la République d'un pays qui n'a même pas une petite case dans cette nation. Si la Guinée brûle aujourd'hui, vous pensez que ce monsieur-là, il va perdre? Il n'a rien à perdre. Oui. Voilà. Oui. Tout cela, donc, on accuse aujourd'hui de voleurs ou de ceci, de cela. Au moins, ces gens-là ont des propriétés en Guinée. Ils ont des petites maisons là-bas. Voilà. Ils ne voudront pas que ça, la Guinée brille. Mais si vous voyez le comportement de M. Alpha Condé, c'est vraiment bizarre. Oui. C'est une déception totale, Alpha Condé. Voilà. C'est-à-dire que les RPG vous le disent ou pas. Tout le monde est déçu d'Alpha Condé. Oui. Nous ne critiquons pas Alpha Condé parce que c'est Alpha Condé. Hein. Mais il nous a fait consommer quelque chose dont lui-même n'est pas sûr. Voilà, la démocratie là. Voilà, la démocratie qu'il a enseigné à beaucoup, l'espoir qu'il avait donné à beaucoup de Guinéens là. Il a bafoué tout cela. Oui. Voilà, pour se battre pour son intérêt personnel. Oui. Montrez-nous quelque chose qu'on a posé comme jalon en Guinée qui dit qu'aujourd'hui, si la Guinée est en difficulté, Alpha Condé, il va perdre quelque chose. Rien du tout. Oui. Rien du tout. Vous êtes pas en train de le soutenir parce qu'il est Alpha Condé. Quand il parle, c'est une Mali. Il parle, on dit non. Il quand même ça, Totinia. Quel Totinia? Il n'y a pas de Totinia dans cette affaire-là. Nous sommes dans la souffrance. Nous galérons tous. Hein? Moi, j'ai un ami qui est en Guinée actuellement. Il va pas. Il dit tout ce qui a changé en Guinée. Peut-être c'est l'électricité quand même. Il allume son climatiseur. Il est là. Sinon, le reste là, rien ne bouge. Rien absolument. Mais est-ce que c'est courant qu'on va manger? Écoutez, hein? C'est pas pour vous couper. Hein? Oui. C'est pas pour vous couper. Oui. En Guinée, quand il pleut, il y a l'électricité. Donc, si la personne est là-bas en vacances, ça, c'est pas le barrage. La Guinée est comme ça depuis que nous étions petits. À partir du mois de juillet, juin déjà, quand il commence à pleuvoir, il y a l'eau dans les barrages. C'est le seul pays qui fait des barrages sans réservoir d'eau. Mais à quoi ça sert un barrage s'il n'y a pas de réservoir? À quoi ça sert? Hein? Donc, en ce moment-là, celui qui te dit qu'il y a l'électricité en Guinée, à chaque année, quand il y a la pluie, il y a l'électricité. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout Guinée. Ça n'a rien à voir avec Alpha. C'est comme quelqu'un l'avait dit la dernière fois. Il dit que maintenant qu'il dit là, il y a l'électricité, il faut dire toi dans ton quartier. Alors, où tu habites? Ah. Voilà, il y a des quartiers qui ne voient pas l'électricité là, dont toi tu parles. Oui. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, madame, nous sommes dans ce combat-là il y a longtemps. Oui. Nous ne sommes pas là pour un individu. C'est que les vérités dont vous dites là, ce n'est pas les vérités assez loin, mais c'est les vérités de tous les Guinéens. Oui. Même les membres, ils savent que ça ne va pas. Les vendeurs de Fonko et Kobokoba, elles savent que ça ne va pas. Mais personne n'ose dire que ça ne va pas. Donc, chacun est assis ici pour dire non, Alana Dorna, Anara Girlo, Anara Kella, à quel pays vous connaissez bien plus que les Arabes ou bien comment on appelle, les Saoudiens? Non, c'est-à-dire l'hypocrisie dans la Guinée, pas la Guinée, Kanambir. Moi, je suis contre les manifestations, hein. Oui. Vous l'avez dit. Quiconque veut manifester contre ce pouvoir, tu sais que tu n'es pas content avec la façon dont Alpha est en train de gérer ce pays-là. Il faut sortir et manifester. Mais n'attends pas qu'il y ait des effets sortir quelqu'un ici. Nous ne manifesterons plus. Oui. En tout cas, moi, je suis contre les manifestations. Oui. Parce que, on ne peut pas, c'est comme on le dit en poulard, autour à Santa, c'est intérêt. Oui. Si vous comprenez. Oui. Une seule personne ne peut pas lire le combat de plus de 15 millions de Guinéens. Oui. Ce n'est pas possible. Oui. Si nous savons tous que ça ne va pas, nous allons sortir ensemble pour dire que ça ne va pas. Oui. Mais si c'est un côté qui constate que ça ne va pas, les autres pensent que ça va. Vraiment, attention les ceintures, disons que ça va. Mmh. Voilà, nous allons rester comme ça. Oui. Le jour que ça ne va pas, nous allons sortir tous pour dire oui, aujourd'hui vraiment ça ne va pas. Oui. Vous verrez tout le monde dans la vie. Oui. Mais jusqu'à présent, moi je pense que ça va. Ça va. Vous comprenez. Jusqu'à présent, madame, ça va. Oui. C'est ça la réalité. Hein? Non, ni la. Aïe, 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 aïe,
C'est ça la réalité. Donc, moi, ce que j'ai à dire ici, continuez, nous vous suivons, nous vous écrivons de temps à autre, ce n'est pas privé, c'est en public là où vous faites votre live, parce que mon voisin ne vous connaissait pas, comme vous l'avez dit, vous avez rencontré Alpha Condé. Nous tous, on a rencontré des leaders ici. Mais dès que tu rencontres la personne, tu sens vraiment que si cette personne, elle a la volonté de faire quelque chose de bien. Tous ceux-là qui sont autour d'Alpha Condé aujourd'hui. Mais c'est des gens qui étaient là hier. S'ils n'étaient pas hier, leur papa était là avant-hier. Voilà. Ceux qui sont en train de nous gérer, de nous mélanger comme ça. Vous avez rappelé un point. Toi, tu es là parce que, voilà, parce que moi, voilà, moi, je suis peu, je pense que, voilà, l'arrivée de Tchelou, ça va me faire rentrer au paradis tant que je travaille. Ou on va la croiser. La Guinée, c'est ça la réalité. Oui. Donc, continuez votre combat. Ne regardez pas ceux-là qui viendront ici pour essayer de vous dépasser. Agba Kiyoki, Amangba Kiyoki, Moukam. Il a commis l'idée parce que Mouta, il a dit le cas. Mouna wa mérir Gourofi. Mouni poussé wa ne hay kombi fol. Il a kombi fol Ali Magnon. Vous verrez wa rôle que nan naki. Mais Agba Kiyoki, Agba Kiyoki, il n'y a ni ra. Alors, il a fait que vous m'avez dit. Mais il a kombi, Agba Kiyoki. La Guinée a bien agréé, blogueur sur Nana, la Guinée. Alors, on a vu une vidéo, man. Donc, on a assez bien sur Yéza. La communiqué, il est natif. Il est dans le CFMA. Il voulait faire la cour qui est rabalo. Ah. À l'envoi, il est bon, comment on dit. Vous avez marre de l'étonner, ne rien normalement. C'est-à-dire, député, journaliste, international, et nous, journaux, c'est le meilleur, il est le meilleur, pas. Mais tout est un admindé. Avant, pour la femme, Haïta Mouna famille, Radi Mouna famille. Il y a des Guinéens qui étaient là hier. Mais n'est-ce pas la mine de tout. C'est un peu monde dans l'année. On continue, on a un gros maïkib. Il y a une manifestation, on a un gros maïkib. Il y a une manifestation, on a un matéra, on a un matéra. Mais, il y a une manifestation. Et il y a une manifestation, il y a une manifestation. Il y a une manifestation. Mais à côté que n'a pas fait à Baragba, Ayamouba, Wodon, Toudundu, Tena, Pamou, Miribore, Nami, Roumagimara. Restez tranquille. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Restons tranquilles. Comme tout le monde dit que ça va, nous nous disons ça va. Si vous voyez Damaro aujourd'hui, qui parle de prisonniers politiques, mais ces gens-là, comment ils ont été arrêtés? Onu Alataki, comment ces gens-là ont été arrêtés? Des pères de famille responsables qui se sont rendus devant les prisons, devant les justices pour dire, ouais, vous nous avez convoqués, maintenant nous allons venir pour voir qu'est-ce que nous avons gâté dans ce pays-là. Mm-hmm. Vous avez rappelé le cas de Thibaut Camara. Qu'est-ce que vous n'avez pas raconté sur Alpha Condé? Qu'est-ce qu'il n'avait pas raconté quand Alpha a refusé d'aller vraiment présenter les condoléances à Baba Tofara? Mais vous avez dit, vous avez la Guinée quand on a un colon, avant de faire un pays, on a un tour, donc à la barre à l'épiouma, ceux-là qui ont eu la chance vraiment de sortir de la Guinée, il faut que vous vous comportez comme des gens qui ont vu quand même la différence. Il y a un fauta, il y a un alumni dans la carrière, c'est pas important. Avant de connaître la balle à la Guinée, plus de 70 ans, presque 80 ans en Occident. Tu te comportes comme ça. C'est pour cela que les gens sont acharnés contre Alpha. Ce n'est pas parce que c'est Alpha voilà. Condé. Ça pouvait être un autre Alpha Diallo oui. Ou Alpha Bangoura, n'importe oui. Qui, ou Béavo qui. Les gens vont réagir de la sorte. Peut-être même pire. Mais ce qui énerve, c'est que Alpha Condé, 40 ans de lutte à Vanté Managana, ne me rêve mon entourage. Ne me rêve mon entourage. Mais on t'a nommé l'audé qui, toujours, vraiment, roche sa tourbe. Mais il a la de c'est que ton avenir est dans le flou. Oui. Ça, la réalité. Oui. Voilà. C'est la Guinée seulement qui est comme ça. Oui. Quand vous prenez les États-Unis en vous corps, les années 1960, on compare aujourd'hui à 2021. Vous voyez le progrès. La France, la même chose.
La petite Sierra Leone qui est là, qui a passé 10 ans de guerre. Oui. Hein? La Côte d'Ivoire a passé 10 ans de guerre. Il n'y a pas une coupure de courant. Oui. La Guinée n'a jamais connu la guerre. 63 ans d'indépendance. Pays souverain qui c'est-à-dire qui pleure à cause des de sacrifices. Ah. Hein? Quand ils ont raté le sacrifice des États-Unis, là, les 500 000 là, et ils ont commencé à pleurer encore. Non, il fallait faire ça pour gagner l'argent. Mais l'argent que vous gagnez là, est-ce que ça va servir le citoyen lambda là? Non. Hein? Oui, c'est un katafi. On a un katané. Là-bas, on a un katané. Au moins, libérer ces gens là, mais à l'ouvrir, ou libérer, parce qu'on est pour tourner Guénard, parce que à la Tembefi, on va tomber. Mais, bon, à bout de qui fait une femme, à bien la colonne, à la matière à la colonne. Ah, on est à bon, on a créé bien de la mort, on a oula, on est wagné, toi, temporisé. Comment? Temporisé. Nous avons vu Alpha Condé à dire ceci, hein. En drôle, on irait à la vanne, comme il couille, la halle climatisée, mon aïe, pas une chose. Wanyetoi, febiri, wambiriga, c'est-à-dire wambiriga mufalama. Nous, on ne mène pas le débat ici dans le débat des caniveaux ou bien pour venir faire, voilà, insulter quelqu'un ici. C'est la réalité, les faits qui sont là. Les faits qui sont là. Combien de Guinéens qui ont souffert derrière Alpha Condé, qui sont en train de jouer, qui sont dans l'oubliette aujourd'hui? Combien de Guinéens qui ont sacrifié leur vie à cause d'Alpha? Et c'est là qui était là hier, qui faisait tout pour ne pas. Oui. Celui qui appelle de quoi? Nous avons donc Alpha Corogina Oudangi. Allez-y. Il n'y a pas encore. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Je vous encourage. On a un roman. Il faut continuer votre combat. Mais maintenant, voilà qui en a. Alpha Kiyoki. Il a combien de dîner? Voilà, il a combien de dîner? Merci beaucoup. Merci. Alors, Koliba, merci. Donc, j'ai un point que je voulais signaler. Il y a des gens qui disent souvent que Alpha, il est bien, son entourage n'est pas bien. Conte, il disait pareil. Conte est bien, son entourage n'est pas bien. Mes frères et sœurs, qui se ressemblent, s'assemblent. C'est comme si, je prends un exemple très simple. Moi, je vous ai dit, mon passé un peu, vous pouvez regarder sur ma page, les produits éclaircissants, les mèches, les ongles, j'ai tout fait ça. Bon, c'était pas les faux ongles que je mettais, j'avais des vrais longs ongles. Voilà, je mettais les faux ongles sur les pieds. Donc, aujourd'hui, vous me voyez comme ça. Mais après, vous me voyez en photo régulièrement avec des produits ça. Celles qui étaient noires comme ça, qui sont devenues blanches avec des faux cheveux, avec des faux ongles. Je suis avec les gens là, dans les cérémonies, dans les ci, dans les ça. Mais il y a un problème. Vous allez vous dire, non, Marie, elle est très bien. Non, Madame Camara, c'est quelqu'un de bien. Mais le problème est que sa fréquentation, son entourage n'est pas bon. Mais il n'y a pas un problème quelque part. Mes frères et soeurs, qui se ressemblent, s'assemblent. L'entourage de Alpha n'est pas bon. C'est que Alpha n'est pas bon. Il a pris l'entourage de Conte qu'il a critiqué pendant je ne sais même pas combien d'années. Voilà, Conte est venu par surprise au pouvoir. Il n'a pas cherché, mais Alpha, lui, l'a cherché. Il a cherché le pouvoir pendant très très longtemps. Nous connaissons l'histoire. Donc, si l'entourage de Alpha n'est pas bon, il n'a qu'à dégager. C'est que lui-même, il n'est pas bon. Déjà, il n'a même pas gagné. Pour commencer. Aïe, Mugeneri. Nirena Mugeneri, Arado Mengera, Mono Mengera, Ori Dabari, parce que Mengemara. Yari Ratina, Mamengena, Mamengemo Alfara, Amuole Mamengedari, Amuole ma leader d'Ari, Amuole ma leader politique d'Ari, Amuole ma leader d'opinion d'Ari. Il n'a rien d'un leader. C'est pourquoi il aime les farfelus autour. Toi, tu peux avoir un farfelu, deux, trois, quatre, cinq, et que toi, tu es quelqu'un de bien. Non. Mais il est modèle, il est dans attiré. Moi, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ne vont jamais me partager. Même si on dit que c'est la dame-là qui va peut-être vous amener au paradis, ils ne vont jamais me partager. Parce qu'on n'a rien en commun. Tout ce qu'elles font, je n'aime pas. Je n'aime pas les produits éclaircissants. Je trouve ça aujourd'hui sale, très sale. Je trouve que même les mèches que les gens se rendent petits, ils se rejettent. Tu t'auto-détestes, quoi. Il était mon raffaiement. Aujourd'hui, je vois ça comme ça. J'ai vécu cela. Ça, c'est des gens qui ne vont pas m'aimer. Vous comprenez? Donc, ils ne vont jamais me partager. Si vous voyez ce genre de personne me partager et m'aimer, c'est que j'ai quelque chose sur moi qui attire cette personne.
Donc, il faut que cette personne essaye de suivre mon cheminement, essaye de suivre mon parcours. Même les gens qui ne m'aiment pas, qui n'aiment pas mon style, qui n'aiment pas ce que je fais, s'ils viennent tous les jours cliquer sur ma page pour voir si j'ai publié quelque chose, rassurez-vous, que ce soit un homme ou une femme, si tu me regardes, c'est que tu as besoin de moi. C'est que là où tu es, ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire de me faire la guerre. Ça veut dire de te rallier à moi. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Parce que comme le monsieur dit, moi, il y a des gens que je ne regarde jamais. J'ai reçu une vidéo par plusieurs personnes aujourd'hui, une histoire ethnique ou quoi, je les ai tous appelés. C'est quoi la vidéo? Parce que quand on vous envoie une vidéo, avant de cliquer sur la vidéo, vous cliquez, par exemple, sur Messenger, vous cliquez, vous rentrez dans Messenger, vous voyez la personne. Si vous ne cliquez pas sur la vidéo, vous ne regardez pas. J'ai appelé. Il y a des gens même qui font des vidéos, je les appelle, je dis, mais c'est quoi cette vidéo? Ah, c'est un tel qui parle de site, qui ça. Je dis, mais vous savez, moi, je ne regarde pas ces gens-là. Oui, ce n'est pas des injures, mais tu sais, je dis, non, je ne les regarde pas. Je ne vais pas les regarder. Moi, quelqu'un qui soutient quelqu'un comme Alpha, je te vois comme victime et je te vois encore plus que moins que rien. Donc, vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. C'est quelqu'un que j'ai rencontré et je vois le personnage. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'aime l'avenir et je préfère aller dans ce sens. Moi, je n'étais pas destinée à ça. Hein. Je vous ai dit, moi, il m'a été proposé de chanter. On a même commencé beaucoup de trucs dans ce domaine. Mais Allah dit non. Vous avez vu Kamal dit, dernièrement, elle est voilée maintenant. Mais les gens vont vous dire que oui, c'est des gens qui vont changer. Non, moi je dis que les chanteurs, je le dis régulièrement, ils sont pressés de leur destin. Si on avait dit à Kamal Dine, il faut te calmer, dans 20 ans, tu auras un destin dans le sens de l'islam, elle aurait dit non. Elle aurait dit, je veux être connue. Mais on peut être connue dans le sens de l'islam. La première martyre de l'islam, c'est une femme et elle était noire. Oui. Donc, mais c'est très facile. Aujourd'hui, je le dis régulièrement, de chanter, de ressembler à, je ne sais même pas comment on les appelle, mais on est tous passés par là. Donc, quoi qu'il en soit, chacun porte sa croix, comme on le dit. Mais je pense que les femmes, je reviens là-dessus, il faut réfléchir à vos méthodes, à vos façons de faire. Dieu nous aime énormément, énormément, je le dis. Il aime les cheveux crépus. Les cheveux crépus, c'est la force. Tous les cheveux des autres, là. Blanc, chinois, quoi, tous ces gens-là, c'est des cheveux tombants. J'ai fait une vidéo dessus. Et on sait rester lisse à Biramané. C'est la ram Biramané, c'est les cheveux afro sont doux. Donc, c'est ça la force. Tu mets le défrisant, tu casses cette force. Tu te décapes. Ce qu'il a mis dans ta peau noire, cette force-là aussi, tu enlèves ça aussi. Tu rajoutes des faux ongles. Tu quittes la laisse. Et puis, c'est rajouté faux. C'est-à-dire Guinée ou le Dari, quoi. Ça, c'est des gens qui ne peuvent pas m'aimer. Et ça ne cache pas mon sommeil. Ça, c'est mon passé. Donc, je les considère comme des retardataires. C'est-à-dire, vous comprenez? Donc, ce n'est pas évident. Des gens comme les Alpha, tu vas te salir. Tu vas gâcher ta vie. L'affaire du Premier ministre a été proposée à plusieurs personnes. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Donc, dans la vie, si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. Mais les gens sont pressés. Ils veulent le nom. Ils veulent l'argent. Ils ne veulent pas prendre le risque. Pour eux, la vérité, c'est un risque. Ils savent que ce que tu dis est vrai. Mais c'est pourquoi vous voyez, ils sont toujours en train d'insulter, toujours en train d'attaquer. Mais ils prennent la peine de te regarder. Parce que leur métier, c'est d'effacer ce que tu es en train de faire. Ça aussi, c'est un métier. Subhanallah. Donc, il faut patienter. Il faut se battre. Si je ne fais pas des vidéos, c'est que je n'ai pas le temps. Je voulais dire régulièrement, quand j'ai le temps, je le fais. Personne n'a cette possibilité-là de m'interdire de dire ce que j'ai envie de dire. Moi, le fabé. Ma bémouru, ma pamou, je l'ai dit ici. Tout ce qu'on dit là, prisonnier, Paul, Pierre, rien ne dérange les gens là. C'est quand on dit qu'Isdalen a gagné. Et ils tiennent
ils tiennent beaucoup, ils prennent beaucoup les réseaux sociaux au sérieux. Énormément. Dans leur tête, il y a quelque chose qui va se passer sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai déjà dit. Donc, ils n'ont qu'à prendre tous les communicants de l'UFDG. Ils n'ont qu'à prendre toutes les personnes qui parlent sur les réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à faire des milliards de vues. Il y a plusieurs sortes de vidéos. Il y a des vidéos pour toucher du monde. Ça, la plupart du temps, c'est pour égarer les gens. La plupart du temps. Même les imams les plus suivis, ce n'est pas les meilleurs. Ça, c'est un secret. Ce n'est pas les meilleurs. Non. Il y a des vidéos aussi. La personne à laquelle tu t'adresses, il regarde la vidéo. Tu as besoin de 50 millions de vues. Mais tu t'en fous. Tout le reste, là, ça, c'est des gens qui vont regarder pour rien. Tu fais une vidéo pour t'adresser à Macron. Tu as 50 millions de vues. Mais Macron ne regarde pas la vidéo. Aucun de ses proches ne regarde la vidéo. Mais tu as eu le nom. Tu t'es fait connaître. C'est tout. Ça, c'est la mission de Cheikh Hamza. Tu fais une vidéo, tu t'adresses à Macron. Tu as 1000 personnes qui regardent la vidéo. Parmi les 1000 personnes, il y a un proche de Macron dedans. Mais ta mission, elle est accomplie. Macron a regardé la vidéo. Tu fais une vidéo pour t'adresser à Macron. Il y a encore 1000 personnes qui regardent la vidéo. Et Macron lui-même fait partie de la vidéo, des gens qui t'ont regardé. C'est une mission accomplie. Tu n'as pas perdu ton temps. Mais les 1000 vidéos ne vont pas te faire connaître. Les 1000 vues ne vont pas te faire connaître. Mais Macron, lui, il a regardé ta vidéo. Celui à qui tu t'adresses, il l'a regardé. Donc, il y a plusieurs formes de vidéos. Il y a un autre côté de vidéo, c'est spirituel. Tu te bats spirituellement, mais il faut prouver que tu es en train de te battre. Il faut cumuler les deux. Tu vois, il y a des gens qui se battent dans l'ombre, qui ne font pas de vidéo. Qu'est-ce qui prouve qu'ils se battent? Allah seul peut savoir cela. Ils vont vous dire demain, oui, moi je faisais les prières de nuit, oh, moi j'avais fait ci, moi j'avais fait ça. C'est vrai? C'est faux? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Donc ces histoires de réseaux sociaux, ça aussi, ça c'est un autre domaine. Ça aussi, c'est un autre problème que l'Africain n'a même pas compris. C'est pourquoi la plupart des combats menés sur les réseaux sociaux n'aboutissent pas. Parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte que les gens ne prennent pas en compte. Les gens pensent que c'est juste les vues. Ils pensent que c'est juste ça. Donc, ils mettent tout en place. Moi, j'ai déjà eu des gens qui me disent que oui, dans les vidéos, la musique attire. Mais ce n'est pas une boîte de nuit. Oui, dans les vidéos, la musique attire. Moi, je ne mets pas de musique. Hein. Donc, je mérite mes petites vues là. Et ça me va. Si vous voulez intervenir, allez-y. Je ne regarde pas le match. Hein. C'est mon mari qui regarde le match et il est là en ce moment. Donc, c'est lui qui m'a dit qu'il y a match aujourd'hui. Voilà. Moi, j'aime pas le foot. Vous allez vous énerver, vous allez vous fâcher. Je trouve débile qu'il y ait une vingtaine de gaillards, grands, costauds et tout, qui courent derrière une balle. Une balle. Comme les Occidentaux ont voulu donner de la valeur au foot. C'est pourquoi le foot a de la valeur. C'est tout. Sinon, vous vous imaginez plusieurs personnes courir derrière une balle et il y a des gens qui sont assis, qui regardent ça, qui se bagarrent pour ça et c'est payé cher. Tandis qu'il y a des gens qui n'ont pas 1 € par jour. Je pense qu'on va prendre le dernier là. Allô, allô, bonsoir, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment ça va? Essayez, s'il vous plaît, monsieur, essayez d'éteindre ou de baisser le son par là-bas, s'il vous plaît. Non, ça, je ne sais pas. J'aurais dû attendre. Je vais peut-être essayer de. Oui, là, c'est bon? Oui, ça va, allez-y. Comment ça va? Ça va. Vous allez bien? Alhamdulillah, très bien, Dieu merci, je vais très très bien. Aujourd'hui aussi, c'est la deuxième fois que je réagis par rapport à vos sujets, parce que, comme je vous disais l'autre fois, c'est seulement la seule page là où je me suis abonné. Donc, Ah oui, je vois qui c'est. Je vois qui j'aime c'est. bien vos directs. Merci, merci, merci. Donc, je vais parler un peu de la Guinée parce que ça, c'est ce qu'on a en commun. Oui, c'est vrai.
Et oui, et aussi l'islam, parce que si vous faites des directs sur l'islam, je peux regarder. Si vous faites des directs sur la Guinée, je vais regarder parce que nous avons ça en commun. Oui. Donc, là, j'ai entendu parler de, si j'ai bien compris, des personnes dans certains, je vais dire, certains ordures de Sékou Touré, parce que moi, je les appelle des ordures, ce ne sont pas des, ce ne sont pas de bonnes personnes. Donc, toutes les mauvaises personnes, les mauvaises ingrédients sont des ordures. Oui, oui. Donc, je vois qu'il y a certains ordures qui payent certains blogueurs pour peut-être leur faire taire. Donc, c'est très, très dommage. Mais moi, j'encourage ces jeunes-là de peut-être de prendre cet argent, parce que comme c'est l'argent du contribuable, de prendre cet argent, mais de ne pas changer comment dirais-je, leur avis, parce que vous cautionnez la vérité. Oui. Donc, une personne qui cautionne la vérité ne doit pas changer, parce que ce qui est sûr, le mensonge va beau évoluer, mais c'est la vérité qui finira par... Oui, avec la patience. Oui, avec la patience. Oui. Et parce que là, vous avez bien dit qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas patients, et c'est vrai. Donc, je prends par exemple ce monsieur de l'OSDG qui est le monsieur de Changel, qui est du nom de Changel, qui est revenu à Guinée. Et je ne sais pas à cause de quoi, parce que moi, je suis en France, même s'il faut nettoyer la rue, je préfère de le faire que de revenir en Guinée. Parce qu'en Guinée, là où il est venu, il ne pourra rien faire. Il dit qu'il va se baser sur la culture et je ne sais pas quoi. Mais ça ne va pas marcher. Nous savons en Guinée, rien ne marche. Dans la politique qu'on parle en Guinée, pas quelque chose de bon, c'est la politique seulement. Donc, il est venu, il n'a pas eu le courage de patienter, il n'est pas patient. Donc, il est venu, je me dis que oui, il a foutu seulement sa vie politique en l'air. Parce que là où il est, il n'y a plus de confiance entre lui et la majorité de citoyens guinéens. Parce que nous savons tous où est où se trouve la vérité. Donc la vérité, c'est seulement l'opposition pour le moment. Le pouvoir, ça, c'est du mensonge. Nous savons que c'est le mensonge depuis que Alpha Condé est venu, c'est le mensonge seulement. Ceux qui disent que Alpha Condé est bon, comme il fait certaines choses, que lui il est bon, que c'est son entourage qui est mauvais, c'est pas vrai. Le plus grand, le plus mauvais de la Guinée, c'est Alpha Condé. Parce que tous ceux dont ils disaient que là, ces gens-là ont travaillé avec l'ancien Conté, c'est des mauvaises personnes, donc ces gens-là ont détourné de l'argent. Il n'a rien fait. Tous ces gens-là sont aujourd'hui à côté de lui. Ils travaillent avec lui. Oui. Donc il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de différence. Donc, toutes les personnes, comme si ces personnes-là étaient des espions. Oui. Des espions pour lui. Parce que tous ces gens-là sont maintenant avec lui. Maintenant, tout récemment, c'est le monsieur-là, comment on l'appelle, à cause de tout. Oui. Nous savons tout ce que Paul de Souma a fait en Guinée, le problème qu'il a mis en Guinée. Oui. Généralement, c'est lui qui est à côté d'Alpha Condé. Oui. Donc, on se demande qui est bon, qui est mauvais. Si c'est la même personne, les personnes dont les gens disaient que ouais, c'est des mauvaises personnes, il faut qu'on les enlève. Et en ce temps-là, il y a beaucoup de personnes qui soutenaient Alpha Condé à cause de ça, parce qu'on disait que oui, c'est une personne qui parle la vérité, donc c'est une personne qui vient l'avenir de la Guinée. Oui. Mais finalement, c'est une même personne-là qui sont venues. Donc, quiconque dit que Alpha Condé est bon, c'est son entourage qui est mauvais, c'est faux. C'est lui-même qui est mauvais. Peut-être que son entourage est même plus bon que lui, parce que son entourage fait ce que Alpha Condé dit de faire. Oui, c'est clair. Là, c'est qu'il est mauvais. Donc, tout le pouvoir d'Alpha Condé, c'est du mensonge. Si on prend, par exemple, à partir de 2010, nous savons que le mariage d'Alpha Condé, c'est un mariage fictif, un mariage faux.
Normalement, un pays normal, on ne pouvait pas accepter ça. Oui. Parce qu'une personne qui n'a pas, une personne qui n'a pas de femme, Oui. qui n'a pas de famille, il vient, il dit que lui, oui, il veut gouverner tout un État, tout un Oui. pays. Et lui, il n'a pas de femme. Et pourtant, on dit que pourtant la Guinée, c'est un pays, on peut dire à 90% musulman. Musulman, Même oui. si ce n'est pas à cause de ça, nous savons que tu sois chrétien ou bien musulman, tu as une famille, tu as une femme. Tu dois avoir une femme. Oui. Donc, normalement, on ne devrait pas accepter ça. Oui. En fin de compte, on ne pouvait pas être président de la Guinée, il Oui. n'y a pas de femme. Oui. C'est à cause des élections qu'on a trouvé une femme pour nous. Je Oui. respecte la femme, mais normalement, même la femme ne devrait pas accepter ça. Mais nous savons que le matériel de foi, ça demande à personne. Sinon, normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Surtout un pays à 90% musulmans, normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Ok, Mais, on va, malheureusement, vous allez dire le mot de la fin, on va arrêter comme ça. On a 1h18 pour. parce que moi, tout ce que je vais demander, c'est de, comme vous avez, la façon dont vous continuez, et ce que je vais demander au peuple de Guinée, c'est de, que ce soit le futur président, parce que tôt ou tard, ce pouvoir-là va quitter, tôt ou tard. Ce que je vais demander au peuple de Guinée, c'est de ne pas oublier ça. Ce qui s'est passé au temps de Alpha Condé, au temps de Lansana Condé, au temps de Gadis Camara. Les gens qui ont fait du mal aux citoyens guinéens, qui ont assassiné, qui ont été à la hauteur des assassinats de petites populations, que ces gens-là répondent de leurs actes. Qu'on ne laisse pas ça comme ça. Que les gens la répondent. Parce que si les gens-là ne répondent pas, la Guinée ne m'ira nulle part. Donc, c'est ce que moi je vais demander. Et une fois encore, merci beaucoup et bonne nuit. Merci, merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Inch'Allah, bientôt. Au revoir. Voilà. Donc, on va en rester là aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour les partages et pour les commentaires. Doucement, la Bayan Nima. Je t'entends ici, hein. Merci pour les partages et les commentaires. Qu'Allah vous paye tous, qu'il nous bénisse tous. C'est une bénédiction d'être musulman, d'avoir la santé, d'essayer d'aller dans le sens de la vérité. Quiconque n'aime pas la vérité, faudrait que toi tu saches que tu n'es vraiment pas avec Dieu. Bon. Alors, prophète bien-aimé Rafira, paix et salut sur lui, à bientôt, Inch'Allah.